train d'emprunter le passage des Croisettes. Alors là, on est sur le passage des Croisettes. C'est un passage où à un moment il y a une espèce d'avancée, une langue de 2 mètres de profondeur. Donc il n'y a que 2 mètres d'eau, donc il faut pas y passer quoi. Donc on passe à un peu près des falaises à gauche, à bas bord. Faut pas se prendre. On a remis le moteur et on va direction Pormiou. Ouais, Pormiou. Nouvelle expérience sur corail qui laisse l'équipage dubitatif. Le spi asymétrique sans amure, comme un spi symétrique plein vent arrière. La barreuse fait nimpe. Il fait n'importe quoi. Je lui dis, déconne pas, je vais le filmer. Je déconne pas. Mais là, tu vois bien que le vent, tu remontes à 120. Mais c'est pas moi. Fais quelque chose. Ben, je fais. Combien là? Combien? Ouais. 2,8! 2,8 en ciseaux! Bon, disons, on recule pas quoi. Mais... ouais, parce que... Et regardez! 2,8! Et merde, en ciseaux! Avec la grand voile, il y a même pas 5 nœuds de vent. Alors, après tous ces efforts, l'équipage en a déjà marre, on avance à 2,5 nœuds. Il y a donc ordre de remettre le moteur sous peu. Mais je m'accroche. On n'avait encore jamais vu ça. La traversée d'un chenal en canoë. Et oui, on est aux Zambiers. Alors là, ça y est, on est le soir dans le bateau. Toute la famille regarde. Il y en a qui regardent la télé, d'autres qui font de la tablette, d'autres qui font du téléphone. C'est tranquille, on se repose un peu parce que ça a été une grosse journée de nav. Il y a eu un feu d'artifice et on a eu peur. Du coup, elle se plaint sous la table. Dehors, c'est beaucoup plus calme. Tranquille. C'est ça qu'on aime bien aussi aux Zambiers. Bon, bah, la météo c'était pas gouré, le Mistral est en train de bien se lever, on a bien fait de venir au port des Zambiers. Je crois que j'ai fait plein de rimes sans le faire exprès, et là je continue. Et donc on va aller tranquillou vers quoi? Vers la visite des Zambiers, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, petit tour de l'île, c'est parti. Yavi Chouchou!
Elle cherche mon père dans les arbres, elle. Mais qu'elle est bête. On lui dit qui c'est, regarde dans les arbres. Oui, mon chou. Oh, ma mère et Céani ont oublié leur maillot. Du coup, elle se baigne habillée. Non, mais on aura tout vu. Non, mais regardez-moi ça, là. Se baigner habillé, mais alors là. Et là, on n'avait pas pris nos maillots. Elle est trop bonne. On pouvait pas. En titre de miniature, je vais mettre elle tombe à l'eau habillée. Voilà. Là, cool. Elle est entièrement mouillée. Oui. Contente? Oui. Non, ça va, je veux pas que tu me filmes. Ta grosse tête là. Bah oui, mais t'es en sens simple. Avance. Ah, c'est un gros dispositif qui est déployé là quand il y a les pompiers qui arrivent. En fait, ils font venir les pompiers. Là, il y a eu apparemment une personne de blessée, donc ils font venir pompiers et hélico carrément l'île des Ambiers. Parce qu'en fait, le temps que vous preniez la navette, que vous emmeniez quelqu'un, c'est trop long. Donc quand il y a des gros trucs, ben c'est direct l'hélico. J'ai pas filmé la personne hein, par respect pour elle. Par contre, je filmerai l'hélico. C'est plus anonyme. Voilà. Big hélico quoi. On s'est mis un peu loin parce qu'apparemment ça soulève beaucoup de poussière. Bon, je me suis écarté un peu de l'hélico et puis toujours pareil des pompiers pour les laisser bosser. Vous savez, on avait fait une vidéo sur les canadaires. Voilà, c'est à peu près la même chose pour les pompiers. Il faut pas se mettre à côté pour pas les déranger. Évidemment, je vais pas citer de nom, mais toujours dans le but de faire un peu de prévention. C'est quelqu'un qui faisait du vélo. En fait, il est tombé en vélo. La poignée du vélo lui est rentrée dans la cuisse. Hémorragie, obligé d'appeler les hélicos. Et voilà, tout ça pour vous dire, soyez prudents, surtout en bateau, hein, parce que quand on a un problème en bateau, et ben ça déclenche tout de suite des moyens énormes. Vous voyez là, on est sur une île, ben c'est pareil, l'île elle est un peu, c'est un peu quand même excentré de tout, et tout de suite ça déclenche des moyens énormes. Donc en bateau, c'est pour ça aussi qu'on fait les vidéos Corail en voyage, hein, vous savez que c'est aussi bah, pour vous amuser, des fois on fait des trucs marrants, des fois on fait du vlog, et des fois on fait des vidéos un peu comme ça, un peu plus... Ben, un peu plus triste, mais ça fait aussi partie de la vie en bateau. C'est soyez prudent, prenez un maximum de précautions. Ça sert à rien d'aller vous mettre dans des situations où finalement après on va être obligé d'appeler les secours. Je profite pour faire un petit coucou. C'est l'open 40 des abonnés. Moquez-vous. Mais qui c'est qu'on retrouve? Les amis Guy et Françoise des Ambiers. Et oui, qui ont Selma. Un magnifique Dufour 335. Et ce chat là, c'est Chips, c'est le chat du bord. Selma, c'est donc un Dufour qui est de 2012, si je me trompe pas. Évidemment, bah c'est un peu l'équivalent de Corail, mais
et bah 10 ans plus jeune. Voilà. C'est vrai que c'est un beau bateau et Guy et François c'est des amis de longue date des Zambiers. Si vous suivez les aventures depuis le début, vous savez qu'au tout début on était aux Zambiers dans un petit bilou. On espère que la vidéo vous a plu et surtout on a une super nouvelle. Que ça y est, je lance ma formation en ligne pour apprendre à faire du voilier et du bateau en général. Cette formation, elle s'adresse à tous, que vous soyez complètement débutant, c'est-à-dire vous n'êtes jamais monté sur un bateau, je vous apprends tout de A à Z, ou que vous ayez déjà navigué et vous avez envie de vous perfectionner. Ça concerne aussi les personnes qui naviguent en solo ou en équipage. Pour retrouver notre formation Apprendre à naviguer et tous les guides Corail en voyage, rien de plus simple. Vous pouvez taper Corail dans la barre de recherche YouTube et cliquer sur n'importe laquelle de nos vidéos YouTube. En dessous de chaque vidéo se trouve un petit bouton « Plus ». Ce bouton permet d'accéder à la description de la vidéo, dans laquelle vous trouverez le lien vers notre site internet. Et puis quant à nous, on se retrouve sur le bateau, là, juste après, dans la formation, pour que je puisse commencer à vous apprendre à faire du bateau. Et puis, à bientôt les copains.